Yuen Bingfu, le 7 mai 1954. Le général Wang Wingap met fin à la guerre d'Indochine. C'est la première grande victoire du tiers-monde sur l'Occident. La seconde viendra en avril 1975. La guerre du Vietnam a été la plus longue du XXe siècle. Elle demeure synonyme d'enlisement et d'humiliation, au point que pour la première fois, au cinéma, l'ennemi n'a pas de visage. Ce trou noir dans la représentation de l'histoire, c'est tout un peuple, avec sa mémoire et son vécu. C'est aussi la vision du vainqueur d'hier, celle du général Wang Wingap, grand architecte de la libération nationale. Le Vietnam moderne est né au forceps de la révolution et de la guerre. Au-delà des clichés sur le communisme, cette tragédie a pour toile de fond un patriotisme plus fort que tout, ancré dans un passé très lointain. En l'an 40 avant Jésus-Christ, deux sœurs, Tung Tak et Tung Yi, lèvent l'étendard de la révolte contre l'envahisseur chinois. Après 4 ans de combat, leurs troupes sont vaincues au bord du grand lac de Hanoï. Plutôt que de tomber vivantes dans les mains des Chinois, les sœurs Tung se jettent dans les eaux tumultueuses de la rivière Dai. Miracle, leur corps se transforme en statue de pierre. Pendant 9 siècles, l'envahisseur chinois cherchera leur statue en vain. Depuis, les Vietnamiens rendent hommage aux sœurs Trung. En retour, elles exaucent les vœux de chacun.